on vit dans une société qui est un peu folle en fait, dans laquelle on se crève à travailler tout le temps. Et pourquoi ? Pour avoir un salaire qui nous permettrait d'acheter des choses pour nous déstresser de tout le stress qu'on cumule au travail. J'ai acheté parfois et souvent même des choses dont je n'avais pas envie. Tout ça, quelque part, c'était pour oublier que je n'étais pas vraiment heureuse dans ma vie. Et je pense que c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand on achète compulsivement, même quand on mange compulsivement. J'ai décidé de consommer autrement, de mener une vie plus simple pour être plus libre, de prendre plus de temps pour les choses qui me tiennent à cœur. J'avais toujours comme un peu peur de manquer de nourriture chez moi, donc je cumulais beaucoup de choses. Parfois j'oubliais que j'avais certaines choses et du coup c'était périmé au bout d'un moment, donc je jetais. J'ai appris à être sage de ce côté-là aussi, de prendre ce que j'ai au frigo et faire un plat super avec. Et ça, je ne le faisais pas avant. Là, je me rends compte du coup que je mange presque plus dans les restos. Dès que j'avais des vacances, c'était partir quelque part, donc voilà, des billets chers, des hôtels, des choses comme ça. Maintenant, je veux juste aller dans les endroits qui me font très plaisir, qui peuvent être parfois tout simplement aller à la maison d'un bon ami et passer un bon moment ensemble et puis voilà. Et j'avais une quantité de choses qui servaient à absolument rien. Et ça m'a fait peur en fait, des choses que je gardais parce que je disais un jour je vais m'en servir, mais qui étaient là depuis 10 ans. J'ai jeté énormément de choses qui servaient à rien, vraiment, et j'ai donné énormément de choses qui servaient, mais qui moi me servaient plus. J'avais par exemple des choses de papeterie, mais énormément, comme si j'avais vraiment une papeterie chez moi. J'avais pas besoin de faire ça. J'avais 200 feuilles, j'avais 4 gommes. Et en fait, c'est juste que j'achetais des trucs et parfois j'allais dans un endroit, dans une papeterie ou n'importe quelle chose, et je disais « Ah, j'ai besoin de ça !» Et je me posais pas la question de « Est-ce que j'en ai déjà ?» C'était juste « J'ai besoin de ça, je l'achète parce que je peux, parce que j'ai des sous. » Et après, je l'utilise et après, au bout d'un moment, ça tombe quelque part et je la perds. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en achète une autre. Quand j'ai fait mon tri aussi, j'ai vu que j'avais une centaine de livres que j'avais pas lus. Et ça aussi, voilà, c'est commençons d'abord par lire. J'ai besoin de rien qui puisse s'acheter avec de l'argent maintenant. Enfin, tout ce dont j'ai vraiment besoin, je l'ai. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais créative, que je me mettais à faire des choses manuelles alors que j'ai toujours dit que j'étais pas quelqu'un de manuel. Je me suis découvert plein de facettes, plein de Véronica que je connaissais pas ou que je savais qui étaient là, mais elles étaient un peu mises de côté. J'ai sorti tous les trucs que j'avais. J'ai vraiment fait un par un. J'ai vraiment fait le tri de ça. Je vais vraiment pas le mettre. Au bout d'un moment, c'était juste bon. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, je donne. Ça, je le mets plus. Ça, oui, je vais le mettre. Et finalement, je suis restée avec un dixième de mes vêtements. J'ai vraiment fait le tri. Le reste, voilà, je les ai donnés à la Croix-Rouge. Je suis restée avec des vêtements qui étaient tout à fait bien, dont j'avais oublié l'existence parfois, ou des couleurs qui n'étaient plus à la mode, mais qui maintenant reviennent à la mode parce que c'est des vêtements d'il y a 10 ans ou des choses comme ça. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait vraiment de façon compulsive. Au bout d'un moment, il faut se poser la question de pourquoi on est en train de faire ça. J'avais une technique, c'était tout simplement me poser à chaque fois avant d'acheter quelque chose la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je le veux? Et à la fin, si c'est que tu le veux, c'est qu'il y a des choses derrière qui ne vont pas très bien, je pense. Et donc la plupart du temps, j'en avais pas besoin. Et quand la réponse était non, ben, je reposais.
Et je sortais du magasin toute contente parce que je me disais, j'ai pas besoin de vêtements, ça va très bien comme ça. Donc voilà. C'est une bonne image finalement, la cuisine en fait. C'est, est-ce que tu vas chercher ailleurs des choses que tu n'as pas chez toi pour pouvoir obtenir ce que tu veux, ou avec ce que tu as dans ton frigo, ben, tu fais un plat magnifique. Donc dans la vie, est-ce qu'on va chercher ailleurs des choses que finalement on a en nous-mêmes en fait, qui sont dans notre cœur.